Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors écoutez mes frères. Ça, ça va nous écouter. Donc ça, haya. C'est ça le plan de la rédemption. C'est ça le plan de Dieu par lequel il fait passer l'homme pour le faire arriver à être son frère et que lui-même soit le premier né d'entre beaucoup de frères. Alors il vous remet son autorité, vous agissez à son nom. Même Jésus, hata Yesu, il a dû passer par ça. Aliweza kapitia yale. Et si son fils est passé par ça, ikiwa mwana wa Mungu alipitia yale, que sera-t-il de nous les hommes? Itakuwaje kwetu binadamu? Prenez vos bibles. Shikeni biblia zenu. Commençons par Jésus. Tuanzie kwa Yesu. Avant d'aller chez nous les humains. Kabla tuende kwetu binadamu. Parce que si vous comprenez que Jésus a dû être passé par ça, na kama mtaelewa kwamba Yesu aliweza kapitia yale pia, ça vous fera comprendre mieux les choses. Itakuelewesha vizuri njia. Ndio. Jésus est né. Yesu alizaliwa. Dieu lui a laissé jusqu'à 30 ans. Mungu kamwachilia hadi miaka 30. Il était le fils de Marie et de Joseph selon le public, mais il était le fils de Dieu. Sawa sawa na watu, Yesu alikuwa mwana wa Maria na Yusufu. Lakini alikuwa ni mwana wa Mungu. Na ingalau alikuwa mwana wa Mungu. La journée il rabotait. Lakini mchana alikuwa akiranda mbao. Anaranda mbao. Akiranda mbao. Mais à 30 ans. Kwa miaka 30. Il commence le ministère. Akaanza huduma. Quand il a commencé le ministère, alipoanza huduma, il a travaillé pendant 3 ans et demi. Alitumika muda wa miaka 3 na nusu. À la fin de son travail, kwa mwisho wa kazi yake, Dieu lui a remis l'autorité. Mungu kamkabidhi mamlaka. L'a adopté. Akamkabidhi mamlaka. Lisez bien ces deux versets. Someni vizuri mashairi haya. Matthieu, Matayo 3:16. Matthieu 17:5. Na Matayo 17:5. Dès que Jésus était baptisé, tangu Yesu alipobatizwa, il sortit de l'eau. Akatoka katika maji. Et voici les cieux s'ouvrir. Tazama mbingu zikafunguka. Et l'esprit de Dieu descendre comme une colombe. Roho ya Mungu ikaonekana kushuka sawa hua. Et venir sur lui. Ikaja juu yake. Et voici. Tazama. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Sauti kasikika toka mbinguni katika maneno haya. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwanangu mpendwa. En qui j'ai mis toute mon affection. Ambaye ni napendezwa naye. Point. Mwisho pale. Kanisa. Église. Munisikie, munisikie. Écoutez-moi, écoutez-moi. Wakati Yesu iko na batizwa, quand Jésus est en train d'être baptisé, sauti ikasema, la voix a dit, huyu, celui-ci, ni mwana wangu, c'est mon fils, mwenye, celui dont, mimi napendaka sana, ndio, je chéris tellement, na ikaishia pale. Et la voix s'est finie par là, s'est limitée par là. Sikia sasa. Écoute maintenant. Anatumika, anatumika. Il travaille, il travaille. Depuis Matthieu 3. Depuis Matthieu 3 jusqu'à Matthieu 17. Mpaka Matthieu 17. Donc je vais écrire ici, regardez bien. Manaka nitaandika hapa fuateni vizuri. Chapitre 3. Kwa pindi la 3. 4. Ine. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. Vous voyez la distance? Munaona mwanya ulioko? De chapitre combien? Tongea pindi la ngapi? 3. 3. Au chapitre combien? Mpaka pindi la ngapi? Vous voyez le chapitre qui sont au milieu? Munaona pindi ambazo zimo katikati? Ça évolue. Ilikuwa ni kuendelea. Dieu le conduisait pour lui donner maintenant l'autorité. Mungu alikuwa akimuongoza ili amkabidhi madaraka. Vous allez voir tous les versets. Hein? Mutaona mashairi yote, hein? Soyez calme. Mutulie. C'est très important parce que vous devez maîtriser ça. Ni ya maana, maana mnapaswa vielewa. Matthieu 17. Matayo 17. Comme il parlait encore. Vila alivyokuwa kiongea. Une nuée lumineuse le couvrit. Au pluriel. Wingu lenye kungali kamfunika. Et voici. Ikawa. Likawafunika. Et voici une voix fit entendre de la nuée de ses paroles. Tazama sauti katoka katika wingu katika maneno haya. Celui-ci
est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwanangu ninayempenda sana. En qui j'ai mis toute mon affection. Ninayempenda sana. Écoutez-le. Mumsikilize. Qu'est-ce que vous constatez? Munatambua nini? Mais vous aussi, vous aussi venez, vous êtes venus de la maison pour venir écouter quoi? Vous êtes venus de la maison pour venir écouter quoi? Quand vous tournez sur les enfants qui ont amené le bulletin de 20%, 30%, est-ce que ça aussi ça peut vous faire tomber? Si l'enfant amène 30% à l'école, vous tournez sur lui. Et toi aussi seulement 2 heures pour être attentif ici à l'église, ça devient très difficile pour toi. Eh grande sœur. Eh wa dada zangu. Eh wa gra. Wa kubwa zangu. Tofauti ni gani? Quelle est la différence? Zile versets mbili zinapatana wapi? Ces deux versets, où est-ce qu'ils se convergent et où est-ce qu'ils se divergent? Ya kwanza inasema nini? Le premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Huyu ni mwana wangu mpendwa. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Naipendezwa naye. En qui j'ai mis toute affection. Si mnaishia pale. Et ça se limite par là. 17 wanamwambia nini? Sur 17, qu'est-ce qu'on lui dit? Huyu ni mwana wangu mpendwa. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Naipendezwa naye. En qui j'ai mis toute l'affection. Wanaongeza kwa nini? Qu'est-ce qu'on écoute et on ajoute? Sikilize. Écoutez-le. Koma saba limubatiza habakubambia kaba tumusikilize. Koma kwa on était en train de le baptiser, la voix n'avait pas dit écoutez-le. Ça veut dire que ce qu'il va vous dire, si vous ne faites pas cela, vous aurez votre part. Ça veut dire ce que je lui dis. Si vous ne l'écoutez pas, ne venez pas vers moi. Amen, amen. Vous vous querellez avec lui là-bas, allez, finissez vos histoires là-bas, ne venez pas vers moi. Ça veut dire. Si quoi baptisé, qu'on pas Saint-Esprit. Le jour qu'il était baptisé, il recevait le Saint-Esprit ici. Alikuwa haya pewa adoption. On ne lui avait pas encore donné l'adoption. On ne lui avait pas encore donné l'autorité en disant qu'il t'écoute, s'il ne t'écoute pas. C'est maintenant que tous ces chapitres passent. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Jusqu'au 17e chapitre. C'est maintenant qu'il appelle deux apôtres. Il leur dit montons sur la montagne. Amen, amen. Ils arrivent à la montagne. Moïse qui était mort longtemps. Il est à Paris. Élie qui était monté vivant. Il est à Paris aussi. Les témoins sur la terre. Ce sont les disciples. Et les témoins du ciel. Qui étaient envoyés pour qu'ils attestent comment il a reçu. C'est comme ça la voix. Voix qui avait parlé comme celle qui avait parlé le jour du baptême. Quand cette voix a fini, a dit que c'est en qui j'ai toute l'affection. Maintenant, on lui a remis l'autorité. Écoutez-le. Ça veut dire que c'est... je lui donne toute la puissance. C'est pourquoi Jésus commençait à dire vous autres ni mepewa. Maana yake nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Mbinguni na duniani. Ça veut dire on m'a été donné au ciel et sur la terre. Kwa sababu ya nini? Pourquoi? Mwenye anafanyiziwa hii ceremony ya adoption anafika hapa. Celui à qui on organise cette cérémonie de l'adoption. Mungu naye anapanaka commandement mbinguni. Dieu donne aussi les commandements au ciel. Anaambia ba malaika. Il dit aux anges. Fulani ule. Tel. Mwe mnamsikia. Écoutez-le. Amen. Anaambia viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Il leur donne aux êtres visibles et invisibles. C'est tel ici, je l'aime tellement. Akifanya kitu. S'il fait quelque chose. Hey, mbingu. Et vous le suivez. Kitiemu matendo. Alléluia. Mettez cela en pratique. Donc, à Mungu naye anaambia watu écoutez-le. Quand Dieu dit aux gens, écoutez ces messieurs. Anaambia ba malaika écoutez-le. Il dit aux anges, mumsikilize. Ba msikilize ba nani? Qui vont l'écouter? Viumbe vya duniani na vya mbinguni. Les êtres terrestres et les êtres du ciel. Nilibahubiri la semaine passée. Je vous avais prêché la semaine passée. Il est ma prédication à kusema les ambassadeurs. La prédication disant les ambassadeurs. C'est que Dieu est. Amen. Ce que les anges sont. Ce que toute la puissance du ciel est. Et ils se tiennent derrière. Alléluia.
C'est pourquoi Paul dit, nous jouons la fonction d'ambassadeur pour Christ. Eti, tunafanya kazi ya wawakilishi wa Kristo. Comme Christ, comme Dieu exhorté par nous. Sawa vile Mungu anaonya watu kupitia sisi. Unaanza kwa mtu. Tu commences à être animé. Mwenye unaonya mtu. Donc si tu exhortes quelqu'un. Et s'il te moque de na toi. Na Mungu anasema. Et Dieu dit. Hivi haumusikie. Comme tu n'as pas écouté. Mimi sitakusikia. Moi aussi je t'écoute. Amen, amen. Unakuwa mtu. Tu deviens animé. Unakatala kitu. Quand tu refuses quelque na chose. Na Mungu zinasema. Et les cieux disent. Lana mekikatala. Na siye huku watu. Tel a refusé. Amen, et nous aussi ici nous refusons. Ndabapa ma verset. Je vous donnerai des versets. Ndabapa maandiko. Je vous donnerai des écritures. Je vous donnerai tout. Je me suis préparé suffisamment. Et puis vous allez me dire. Ça, c'est mchungaji. Maintenant, pasteur. On a verset. Nous voyons le verset. Donnez-nous aussi les citations du message de 30 ans. 30 ans. L'histoire de l'écoutelé, nous voyons ça dans la Bible. Ça, c'est pour convaincre les gens des dénominations et les autres. Mais nous, donnez-nous maintenant aussi ce que le Mujumbe Alisema écrit. Alléluia. Amina. Andika. Écrit. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Ujumbe unaoitwa kwa nini Roho Mtakatifu alitolewa? Fimbo yangu iko wapi? Take this. Ah, sawa, sawa, sawa. Très bien. Vema. Je vais commencer par quelque chose. Très bien. Ok. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Ujumbe unaitwa kwa nini Roho Mtakatifu alitolewa? Paragraphe 48. Mtajo 48. Maintenant, regardez et bien ce que Dieu a fait. Sasa tazameni vizuri yale Mungu alifanya. Quand son fils était né, wakati mwanawe alipozaliwa, il l'a laissé aller pendant 30 ans. Alimwacha afikie miaka 30. Pour le tester. Ili ampime. Pour l'éprouver. Ili amjaribu. Ensuite. Kisha. Il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Akamupa miaka 3 ya majaribu makubwa. Et puis à la fin des dures épreuves. Kwa mwisho wa majaribu makubwa. Quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du père. Alléluia. Alipoona kuwa mwanawe anashughulika na mambo ya baba. La montagne de transfiguration, évangile de Luc. Kwenye mlima wa mageuzi na injili ya Luka. Il a pris Pierre. Akatoa Petro, Jacques, Jacobo, et Jean, na Yohane, trois témoins, wa shahidi watatu. Il est monté au sommet de la montagne, akapanda kwenye kichwa cha mlima, et là, pale, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Mungu akatimiza sheria ya kukabidhi mamlaka. Ils ont levé les yeux, ndipo wakainua macho, et ils ont vu Jésus, wakamona Yesu, et ses vêtements resplendissaient blanc comme l'éclair. Na mavazi yake alikuwa ya kimeremeta na kuangaa kama alors, alafu, une nuée l'a couvert de son ombre. Wingu likamfunika kwa kivuli. Une voix est sortie de la nuée. Sauti katoka katika wingu. Et elle disait, na ilisema, celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwanangu mpendwa. Écoutez-le. Msikilizeni. Maintenant je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Sasa nitakaa na sitakuwa na la kusema tena. Maraba mie Mungu. Avec Dieu que moi Dieu. Nataka jikalia. Je vais maintenant m'asseoir. Nataka nafanya chochote yeye abifanye. Je ne ferai plus celui qui va le faire. Maintenant. Sasa. Je vais m'asseoir. Nitakaa. Et je n'aurai plus rien à dire. Na sitakuwa na la kusema tena. Ce que lui dit. Yenye yeye atasema. C'est la loi. Ni sheria. Et la vérité. Na ni kweli. Utilisez yeye. Écoutez-le. Maraba mie. Cette fois-ci moi. Si takuwa nafanya chochote. Je ne ferai plus rien. Ce qu'il vous dit. Vinakuwa sheria. Ça devient une loi. Vinakuwa kweli. Ça devient la vérité. Mie tena sitafanya chochote. Moi je ne ferai plus rien. Yeye abifanye. Lui il le fera. Amen, amen. Alléluia. Amina, amina. Muko hapa. Amina. Zieta. Amen, 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 amen. Okay.